Avec cette bière-là, vous avez fait un accent. Oui. On va essayer. Hop, donc voilà. Donc là, au pire, on est assez là. Je vais l'emmener. Ouais, c'est pas au pire, c'est même on est assez là. Par contre, ce qui serait bien, c'est que maintenant, on fasse un truc. Parce que c'était prévu, hein. Ils ont amené du sable et choux. Ben oui, on va aller avec Christian, ce qu'il a apporté. Donc on a, je sais qu'il y a du sable, j'ai vu. On en fera un peu. Et on y fera dans la boîte, hein. Fallait de l'argent pour avoir un précepteur ou aller dans une institution. Enfin. Mais c'est vrai que grâce à sa famille, il a eu accès à la connaissance. Oui, oui. Ah, il avait un esprit bien fait. Oui, oui. Il est servi encore au fond. Ouais, en plus. Non, mettez de l'eau. Voilà. C'est ça. Voilà, c'est une manière de brosser le mortier sans se fatiguer. Alors pourquoi de la chaux plutôt que du ciment? On est un peu puriste sur les bords. D'accord. Mais bon, ici, ça aurait pu faire en ciment. Hein. Mais bon, certains endroits, la chose, c'est plus intéressant parce que ça reste souple. Oui. Les pierres, artificielles, ça vient, ah ouais. Ça vient ouais. Se coller, adhérer ah à ouais, la pierre. Mortier, ouais. Et puis après, il y a des arrachements, l'érosion. Quand on est dans les petits interstices comme ça, j'ai un petit intérêt. Alors, on les met jamais verticales, les pierres. Alors, quand il y a du mortier, il y a moins d'importance. Une pierre sèche, il faut jamais qu'elle soit verticale. Ouais. Jamais. Et donc là, ce qu'il faudrait, c'est que j'en trouve une qui va bien. Une triangulaire. Ben, une triangulaire. Mais il doit y en avoir plein. Oui, oui, je vais la trouver. On refait un lit de pierre et voilà. On mettra du mortier. C'est mieux comme là, on est dans notre. On n'a pas des fils. Ils faisaient toute la chaux, ils cuisaient tout. Oui, donc pour un ou deux mois, hein, c'était. Et ils faisaient le tas de mortier brassé. Et puis tous les matins, c'était le boulot de la retraite de rebrasser le tas de mortier. D'accord. Mmh. Donc on rebrassait. Et puis. Et donc quand tu faisais deux mois de chaux d'avant. Oui, ça tient, hein. Il faut rebrasser par contre. Et là ça brûle si on n'avait pas les mains chaud vite. Oui, oui, ça. Non, on est plus vite là. Voilà, c'est ça, elle est éteinte là. Non, elle est pas peur. Salut Albert. Un petit pétard, vous pouvez essayer de manger là-haut. C'est l'heure de la soupe là. Bon, mais ça fait un moment que j'attendais qu'on me le dise. Ah bon, ah bon. C'est vrai, là c'est l'heure, faut s'arrêter. Ah, c'est l'heure. C'est midi. Il y a un gardien de l'estomac, heureusement. Ouais, comme ça, ça fait juste le truc. La marche. Il faut peut-être que je remette de la sauce là-bas alors. Ça se pourrait. Ouais.
Donc il ne faudra pas plus en amener, j'en amènerai deux chez moi. Si vous allez voir, si vous allez les voir. Là dessous, il y a une belle. Bon. Oui, alors celle-ci là-bas, on la mettra plus. On devrait l'embrocher pour monter des murs. C'est la dentiste de mammouth. C'est la pierre qui peut C'est pas le pique-beu, c'est le. Là. Moi, je vais aller, je vous dis. Mais je vais refaire une couche de. Je sais pas, je me suis dit que. Oui, c'est ça, si on la creuse de béton. Qu'est-ce qu'il est gourmand ? Qu'est-ce qu'il est gourmand ? Il faut recommencer les vols. Hein. Voilà. On a que les petits thermites qui se dégagent, en fait, quand tu as des végétaux, des organismes vivants en décomposition. Hein. Le soufre qui se dégage sous forme de sulfure d'hydrogène, justement, sous forme réduite. C'est un oxydant. Un réducteur puissant, en fait. C'est-à-dire qu'il est associé à l'hydrogène. Alors c'est un oxydant. Oui, c'est un oxydant. Et puis le pur. Ah non, c'est un le chlore par exemple, c'est l'acide chlorhydrique, hein, ils en étaient là et ils ont mis du temps avant de se rendre compte qu'il y avait de l'hydrogène et puis ce qu'ils ont appelé le chlore. D'accord. C'était un peu pareil pour l'acide chlorhydrique. Il a fallu des réactions chimiques pour montrer que ben, on ne peut pas descendre en dessous de quelque chose, d'un gaz quoi. Et alors ce qu'il y a, c'est qu'ils n'avaient pas la notion des particules. Il y en a qui l'avaient en tête. Ampère avait en tête quand même la notion d'atome. Oui, mais c'était pas clair. En même temps, parce qu'il n'y a pas d'observation possible, mais comment dire, c'est déjà très capacité d'imagination importante. Imaginez un peu le mouvement magnétique quand on Ampère avait magnétique. Ampère avait magnétique. Donc voilà, donc on prend des petits bouts à la fois et on tape plus de poids. Deux fois c'est trop tard. Ça l'a ébranlé. Et si jamais je dois faire une deuxième fois, je vais reculer un peu. Non, même endroit. Ah oui, bon. C'est pour ça qu'il ne faut pas les trois grands. Un problème d'énergie là encore. Ouais, tu vois, ça y est, ça commence à. Une énergie de cohésion pour l'hiver. Elle a un point dur. Voilà. Et donc tu changes d'angle un peu. Voilà. Ah, tu l'as eu. Voilà, donc maintenant on va laisser comme ça. Hein. Par contre, elle se fend là. Ben, voilà. Elle a lâché là. Bon, mais elle est presque jolie encore. Elle est presque utilisable. Ouais. Mais elle n'était pas très solide. Non, encore. C'est pour ça que je t'ai dit, c'est bien. Et on va tu vois, les experts, c'est ça, ils te démoralisent parce qu'ils ont vu avant toi. Non, mais moi, je trouvais qu'elle était quand même. C'était un peu bizarre. Parce qu'elle ne fait pas. Bon, je sais pas, puis alors dessus, c'est embêtant de la mettre dessus, c'est qu'elle est déjà au trop quart pourri. Mais oui, c'est. Ouais, si, elle peut aller dans le mur, hein. C'est ça, là. Elle peut aller dans un autre truc. Celle-là. C'est pour ça que la grosse que vous avez mise, c'est dommage, elle est belle, mais soit elle est trop haute, soit elle n'est pas tout à fait assez haute.
si j'essaie de lui parler, moi non. Ben, je suis d'accord. Quand même, t'aimerais bien. Ah bah toi, j'accepte pas. Quand on commence à lui parler sérieusement, elle répond. On va la reprendre là. Allez. Est-ce que c'est ici hein, qu'il faut que j'aille hein? J'ai encore du boulot. T'es pressé Bernard? Vas-y, je veux bien regarder comment tu lui parles, toi. Parce que j'ai un peu compris qu'elle m'écoutait moyen. Savoir lui parler. Il faut la regarder. Il faut les observer, elles aiment bien qu'on regarde. Ouais. Avant de mourir. Ouais, peut-être pas pour tout, ouais. Même là, tu vois. Là. Tu donnes pas enchanté quand elle va péter. Non, quand c'est comme ça, ben... faut retourner. Faut biaiser. Faut lui faire une surprise. En fin de compte, il faut la prendre du bon côté. Quoi. La pierre, hein, c'est... Et là, elle va chasser l'autre pierre. Je pense que maintenant, elle va dire la mieux aller, là. Hein. Mais je vais continuer, Vincent, si tu veux. Tu continues. Elle est déjà. Je crois qu'il faut. Ou alors il faut chasser un peu derrière. Voilà. Parce que hein? C'est joli comme c'est là. Voilà. Et ça démarre l'arrondi, c'est peut-être pas mal. Enfin, j'ai juste un peu là. Et peut-être je vais lui mettre un coup ici parce qu'elle va partir. On va faire un petit peu là. Parce que c'est pas tout à fait assez épais. Voilà. D'accord. Allez. Mais là, il faut la laisser comme ça, je pense. Je fais la tête, je ne sais pas si ça te voit.